J'ai reçu un colis que j'avais commandé pendant mes partiels parce que quand je stresse, j'achète des trucs de merde en fait, tout simplement. Mais pourquoi j'achète ça? Je ne sais pas, je ne comprends pas. On part là-dessus. C'est mon chien en fait, pour l'explication, c'est Vega, c'est mon chien. Il est trop ouf. Et du coup, j'en ai fait un t-shirt. J'adore ce t-shirt! C'est vraiment dans ces moments-là que je sais pas. Il faut m'enlever internet. Je crois, hein. Mon ordinateur, tout, la carte bancaire. Ah putain, il est trop ouf! Pour son arrivée à Bordeaux, j'avais prévu toutes les affaires d'Hervis, mais pas de brosse de pansage. Du coup, je suis allée acheter des brosses dans un magasin où il y a des brosses. J'ai d'abord voulu acheter un sac avec toutes les brosses à l'intérieur. Et puis j'ai vu le prix. Du coup, j'ai dû changer de stratégie. J'ai regardé les brosses toutes douces. J'ai regardé les brosses à paillettes. J'ai même regardé les brosses bizarres. Et j'avais toujours pas de brosses. J'ai fini avec 3 brosses. Et c'était très bien comme ça. J'avais mes carottes et mes brosses. Je pouvais donc aller voir ma jument. Droite. C'est parti. Je suis arrivée au club, j'avais 5 minutes de retard. Elle était déjà arrivée. J'ai ouvert la porte du box. Et les retrouvailles étaient sensationnelles. Elle est fatiguée. Je lui ai donné une pomme. Elle n'a pas voulu manger la pomme. Du coup, je l'ai regardée rien faire. C'était cool. Et puis je suis partie. Le lendemain, je suis retournée au club. Il faisait jour. On allait marcher dans la forêt. C'était beau. Ensuite, on allait marcher dans le manège. C'était beau aussi. Et puis on allait marcher partout en fait. Et puis tout était beau. Au final, quelqu'un d'autre l'a montée pour sauter avec elle. Parce qu'on est là pour la vendre. Dans l'ensemble, c'était une belle arrivée. Au max. C'est un paradoxe puisque c'est un bonnet sur lequel il est écrit la capuche et je trouvais ça fantastique. Voilà.